C'est à la Bibliothèque nationale de France, le 23 septembre 2015, que se sont tenus les 10 ans du label Carnot, organisé par le réseau des instituts Carnot. Scientifiques, industriels ou personnalités politiques étaient réunis afin d'échanger et de découvrir les travaux de la plupart des instituts Carnot. Et le réseau Carnot, c'est quoi ? Alors, Carnot, c'est un dispositif qui se situe vraiment au cœur de la recherche technologique, dans le gap qu'il y a entre la recherche académique et les industriels. L'idée qui a été à l'origine de la création des instituts Carnot, c'est l'idée de rapprocher le monde de la recherche du monde de l'entreprise. L'idée de mieux irriguer l'entreprise, les entreprises françaises et l'économie française avec les résultats de la recherche et donc que la recherche française puisse contribuer à la compétitivité des entreprises. Et aujourd'hui, on l'a entendu dans le témoignage du ministère de la Recherche et du ministère de l'Industrie, les instituts Carnot sont vraiment reconnus comme étant pivots dans la recherche partenariale, donc directe avec les industriels, et dans le système d'innovation. Les enjeux sont donc vus à la hausse après ces 10 ans d'exercice. Reconnaître la marque du Carnot, capitaliser sur le réseau pour être plus attractif et développer le réseau à l'international. Dans chacun de ces enjeux, l'Institut Carnot Mines se projette et c'est naturellement qu'il est présent lors de ces 10 ans. Ainsi, Damien Götz, directeur du Carnot Mines, rappelle les deux points essentiels qui caractérisent le Carnot Mines. Un regroupement d'écoles favorisant les contacts avec les entreprises et le rapprochement des écoles entre elles pour développer des expertises communes. Je l'ai dit, ce sont essentiellement les écoles des mines sous tutelle du ministère en charge de l'industrie, mais enfin ces écoles sont des établissements indépendants. Et entre l'école des mines d'Alès, celle d'Albi, celle de Douai, celle de Nantes, celle de Saint-Étienne ou celle de Paris, il y avait historiquement des relations, mais il n'y avait pas forcément d'environnement et de financement qui permettaient de développer des projets de recherche, qui soient des projets de recherche inter-écoles, interdisciplinaires, interdépartements. Le dernier sujet important que nous ayons lancé de cette manière en 2014 est un projet de recherche pour un budget global de plus d'1 million d'euros sur la question de la fabrication additive et regroupe la quasi-totalité des écoles du Carnot Mines dans le partenariat qui va travailler sur ce sujet. Cette appartenance au réseau Carnot permet donc au Carnot Mines d'avoir 3 bénéfices majeurs, comme le souligne Agnès Labodic, secrétaire générale de l'Institut Carnot Mines. Le premier bénéfice que je vois est la professionnalisation, et en particulier dans la contractualisation avec les entreprises. Le bénéfice sur les bonnes pratiques vient de notre appartenance à l'association des instituts Carnot. Le ressourcement grâce au label Carnot nous permet d'améliorer nos connaissances et nos compétences pour aller voir les entreprises et leur proposer du travail en commun. En ce qui concerne les compétences concrètes que propose le Carnot Mines, un des exemples phares est celui du robot Corbot, développé par Tony Noël, qui a pu présenter les problématiques rencontrées par les industriels, les applications et les défis d'un tel robot lors de ses 10 ans du réseau Carnot. Alors la problématique initiale, c'est celle qui a occupé et qui occupe encore une bonne partie des chercheurs en robotique, c'est de permettre à une machine, à un robot, de se déplacer de manière autonome dans un environnement qui n'a pas été au préalable conçu pour lui. Core SLAM, qui est l'algorithme de SLAM que nous avons développé au centre de robotique, permet à un robot qui utilise un simple capteur laser de se positionner dans un environnement. À partir de là, on peut imaginer tout type d'applications qui vont de l'assistance à la personne âgée à domicile ou du transport de marchandises dans un entrepôt ou encore un robot de surveillance sur un parking. Les perspectives qui découlent de ces premiers résultats, ce sont dans la continuité d'intégrer maintenant Core SLAM sur des voitures automatiques qui circuleraient en périphérie urbaine ou en centre urbain. Deuxièmement, on peut citer par exemple une application de logistique dans le cadre de la chaire logistique avec la Poste qui viserait à référencer des colis dans un entrepôt. La réussite des projets menés par le Carnot Mines va donc permettre de mieux se professionnaliser et de répondre davantage aux attentes socio-économiques des PME et ETI.